Il était question pour nous de remettre l'honneur à la République du Congo. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'épilogue de cette situation. La Fédération internationale de judo est derrière vous et vous souhaite bon vent. Et sachez que vous pouvez toujours compter sur nous. Ces mots rassurants du représentant de la FIGE et de l'UAJ marquent le retour du judo congolais au niveau des sphères internationales de cet art martial. Pour sa part, le représentant du ministre en charge du sport encourage le nouveau bureau exécutif à travailler dans le respect des lois qui régissent le sport en République du Congo. Je vous recommande la mise en œuvre effective de la loi numéro 23-2023 du 27 juillet 2023 portant code de sport, notamment à son chapitre 3 des fédérations sportives nationales, afin que vous exploitez et mettez en pratique vos droits et vos devoirs vis-à-vis de la République. Prenant la parole, le président de la FECOJUDA en appelle à l'unité de tous les judokas congolais. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page du judo congolais. Au nom du bureau exécutif nouvellement élu, je prends la parole pour vous promettre que nous allons travailler avec tous les judokas congolais pour que le judo avance, pour que les judokas congolais s'expriment au niveau international. Après 4 ans d'organisation interne du judo, le nouveau bureau exécutif de la FECOJUDA doit à présent œuvrer pour faire rayonner le judo congolais lors des futures échéances internationales.